think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Salut à toutes et à tous, c'est Léo Van Cleef et on se retrouve comme promis sur la review de Rayman 2. Donc je vous l'avais promis, donc je le fais. Donc Rayman 2 que j'ai retrouvé sur Room Station, que j'ai téléchargé, donc c'est la version Nintendo 64 de Room Station. Donc je vous préviens, comme ça si vous jamais voulu l'essayer, c'est la Nintendo 64. Donc voilà, on se retrouve sur Rayman 2. Donc j'étais obligé de vous laisser l'intro, forcément, cette intro
qui rappelle des souvenirs, hein, c'est dur, sacré intro. Là, c'est la deuxième prise que je fais parce que la première, j'ai eu quelques soucis au niveau d'audio. Notamment, j'ai oublié de baisser le son, du coup, on n'entendait pas vraiment ma voix. Et on entendait beaucoup le ventilo de l'ordi. Alors, je sais pas, là, vous devriez mieux entendre ma voix parce que j'ai fait un test tout à l'heure. Si vous entendez le ventilo et mes doigts qui pianotent sur les touches, je suis désolé, mais je peux pas faire autrement sur ce jeu. Je sais pas pourquoi ça on l'entend comme ça. Bon, c'est pas grave, normalement ma voix devrait mieux passer. Donc voilà, donc j'ai été obligé de vous laisser forcément cette intro. Alors, premier problème que je signale sur la version Nintendo 64 de Rune Station. Petit problème de couleur, notamment au niveau des lumes qui sont noires là par exemple. Alors des fois elles sont de la bonne couleur, des fois elles changent de couleur. C'est pas super important. Et les points aussi, regardez mes points, qui ont une couleur différente parfois. Voilà, c'est l'un des problèmes de la version, mais sinon tout est nickel, tout marche bien, y a pas de problème. Deuxième problème, j'ai pas pu finir le jeu en entier, je suis désolé. Je suis arrivé au tombeau des anciens après avoir chopé le troisième masque. Et là je suis tombé sur un bug à la con. Je vous explique, en fait, je suis sur une espèce de plateforme qui flotte au-dessus de l'eau qui vous tue. Et il y a des lasers à la con activés avec des boutons, en fait. Et donc normalement, la plateforme s'approche, vous activez le bouton, c'est timé, le laser s'en va et vous passez. Sauf que, en fait, moi j'ai un problème, c'est que la plateforme continue dans le mur, elle passe dans la texture carrément. Et du coup, moi, bah, je passe pas la texture, du coup je tombe dans l'eau, donc du coup je meurs. Super. Donc j'ai essayé de trouver un truc pour faire en sorte que la plateforme continue sur son bon chemin et pas qu'elle rentre dans la texture, dans le mur en fait. Et en fait, si j'active le bouton du plus loin, dès que je le vois en fait, et bah la plateforme continue son chemin. Le problème c'est que quand elle continue, comme le bouton est timé, quand j'arrive devant le laser, et bah le bouton se remet en marche, enfin il se réactive, et les lasers se réactivent aussi, et du coup je finis électrocuté, et je tombe dans l'eau et je meurs. Donc je n'ai pas pu finir, voilà. Donc on se retrouve au début avec cette musique, putain, c'est mon enfance quoi. Voilà Murphy. Salut Rayman. Murphy qui est beaucoup moins obsédé que dans Rayman 3. Je voulais faire des remerciements aussi, bah juste en passant. Je remercie Incan Lanna. Désolé, ton pseudo est vraiment difficile à prononcer. Qui m'a fait un petit coucou et un remerciement sur sa vidéo de démo de Braid. Donc je te renvoie à l'ascenseur. Allez voir ses vidéos, allez voir sa chaîne, c'est vraiment un bon joueur, il fait vraiment des trucs intéressants. Je fais un petit coucou aussi en passant à Kratos le Sadique, mon pote qui en ce moment est en train de nous faire le walkthrough du prélude de Portal, pardon. Donc voilà, je vous dis d'aller voir aussi, il fait vraiment des bons trucs. Et à tous les autres qui me suivent depuis le début, qui sont abonnés à ma chaîne ou qui aiment juste vous qui êtes là en train de regarder la vidéo, je vous remercie de la regarder. Et puis si ça vous plaît, regardez les autres. Et laissez un petit commentaire, ça me fera plaisir. Voilà. Donc problème au niveau des couleurs des lumes, voilà, le lume jaune et bleu. Bon, c'est pas très grave. Et donc on se retrouve sur ce Rayman 3, je ferai sûrement 3 vidéos, y a pas de problème. Comme d'hab, vous commencez à avoir l'habitude de toute façon. Ah, le moustique, c'est un clin d'œil à un boss de Rayman 1. Et que l'on voit aussi dans Beyond Good and Evil, que j'ai fini. Donc je vous ferai la review évidemment. Clin d'œil dans Beyond Good and Evil, on voit ce moustique, c'est assez rigolo. Donc là il faut choper les 5 lumes. Les lumes jaunes qui sont bleues à cause du problème, comme je vous ai dit. Donc ce Rayman qui est sorti en 99 sur Nintendo 64. Qui a été adapté sur plein de supports, c'est vraiment... Il a été adapté un peu sur un peu tout et n'importe quoi. Il y a eu version PC, il y a eu version PS1, qui est l'une des plus moches. Version PS2, version Dreamcast, version Nintendo 64, version DS récemment aussi, en passant, ils se sont dit, enfin une petite version DS. Pardon. Et ce qui est marrant avec ces... ces versions, c'est qu'elles ont toutes plus ou moins des trucs différents en fait. Donc les plus corrects, on s'accorde à dire que les plus corrects normalement ce sont celles Nintendo 64 et PC. Après la PS1 c'est une des moins belles. Il y a eu des versions qui ont eu des vibrations, il y en a eu qui ont eu des modifications dans les mini-jeux, genre de trucs. Il y a eu une version aussi qui a eu... il y avait pas le monde ouvert en fait. Enfin pas le monde ouvert, le truc où on choisit les niveaux, vous sautez dans des tourbillons qui va dans chaque niveau. Eux ils avaient une autre
une autre place, un truc un peu plus ouvert où vous pouvez se balader pour aller dans chaque niveau en fait. Donc voilà, il y a eu pas mal de versions sur ce Rayman. Donc là on est sur la version émulation de Nintendo 64. Je vais aller jusqu'à l'île à fée. Parce que j'ai vraiment envie de vous la montrer. Alors tiens, bah d'ailleurs, on dit Lys sans S, donc ils viennent de l'écrire tout à l'heure, j'ai été étonné, donc en fait c'est pas Lys ou Lys ou Lys comme je vous disais dans Rayman 3, c'est Lee. Alors je sais pas, en anglais c'est peut-être Lie ou je sais pas, un truc comme ça. Je ne sais point du tout. Vous amis les petits êtres, je vous laisse la cinématique. Found a considerable one knee. It seems to be stop! Now what's for you? Oh, yeah, with you! Voilà donc très belle cinématique. Donc je vais vous montrer où est la clairière de la fée, on va aller jusqu'à l'île et après je passerai sur mon autre partie où j'ai plus de niveaux et je vous en montrerai d'autres. Oui, on s'en fout, Murphy, on sait que c'est... Donc je vous sais à le truc dont je vous parlais, on peut accéder au monde. Et sur une autre version, ils ont un truc un peu plus ouvert, en fait. Oui, je sais. Voilà, yeah. Donc, au niveau du scénar, donc... vous avez vu l'intro, hein, il y a le cœur explosé, les pirates ont envahi le monde. Ils capturent tous les petits gentils animaux du monde de Rayman. Et donc Rayman doit leur botter le cul. C'est un scénar à la Rayman. Hein. C'est... Bon, c'est correct. Hein, c'est... Faut pas s'attendre non plus à un truc de la mort qui tue. Mais bon, c'est toujours sympa. Moi, j'aime bien. Donc là, niveau moment aquatique, les lumières bleues qui vous redonnent de l'air. On va détasser la cage. Et les trucs aquatiques sont vraiment super bien faits. Vous avez un bouton pour monter, un bouton pour descendre, c'est super simple à dire. C'est assez efficace. C'est beaucoup mieux que le niveau aquatique. D'ailleurs, je n'avais pas précisé dans Rayman 3, le niveau aquatique qui est vraiment pas terrible. Le Rayman, il a même pas de barre d'oxygène, quoi. Le mec, il est invincible, en fait. Il respire dans l'eau comme s'il était amphibie, quoi. Tranquille. Au niveau des commandes, donc je dirige avec le pad directionnel. Je saute avec X, je donne des coups de poing avec C, et je fais le lock avec W. Donc c'est juste les trois boutons dont vous avez besoin. Voilà. Voilà pour la version, c'est la version Rune Station, donc comme je vous le disais tout à l'heure. Là, on va aller ouvrir la porte.